Enfin, pour éviter les arrachements, on allège déjà la branche au maximum, avec un minimum de précaution. Et puis après ça, on apporte la plus grande précaution à la taille, de la dernière taille de la branche, en faisant attention à la fois à l'angle de coupe, mais également au bourrelet cicatriciel. Hein, c'est la partie de l'insertion entre la branche et le tronc qui va permettre une bonne cicatrisation. Donc ce bourrelet là, s'il est touché, ça va ralentir, au mieux ça va ralentir fortement la cicatrisation, au pire ça peut l'empêcher. Hein, sur certaines essences c'est embêtant. En théorie, il ne faudrait pas qu'on taille des branches de plus de 5 cm de diamètre. Nous, jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'on était au sécateur, mais sans ça, ça ne nous arrive plus, quoi. Ce qu'on regarde aussi, c'est vrai, c'est le rapport qu'il y a entre la taille de la plaie qu'on fait quand on coupe la branche et la section du tronc. On essaye de rester dans des... il ne faut pas que la branche soit aussi grosse ou plus grosse que le tronc, quoi. Là, on est vraiment dans du très gros retard de taille. Il faut que les plaies de taille soient concentrées sur un diamètre de cœur le plus faible possible. Hein, donc là, on en revient à ce travail régulier et suivi, en mettant de l'anticipation aussi sur la taille de certaines branches. Hein, faut anticiper les formations de fourches, hein, surtout sur noyer, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas une année à arriver à une fourche qui va être trop basse par rapport à l'objectif qu'on avait. Tout ça parce qu'on n'a pas levé la tête et qu'on a laissé pousser une branche qu'il aurait fallu supprimer 2 ans ou 3 ans avant. Donc là, au niveau des plaies de taille, ça c'est une très belle plaie de taille parce que ça a été fait sur une branche qui n'est pas très importante. Hein, on est en dessous des 5 cm. La cicatrisation s'est très bien faite. Ici, on est sur une branche qui devait faire les 5 cm, qui s'est également bien cicatrisée, mais on voit que l'écart de section est quand même important. Et puis une branche qui est trop grosse, qui n'est pas complètement cicatrisée, c'est ça. Hein. Donc il aurait fallu avoir plus d'anticipation sur cette coupe-là. La cicatrisation sur les petites plaies, ça se fait dans l'année. Hein, ça commence après la taille et puis ça se finit au printemps. Sur des branches plus comme celle qui est en train de se finir, là, ça doit faire au moins 2 ans que ça a été coupé, ça.